Bonjour, ce mois-ci dans la vidéo tendance, nous allons aborder quelques points clés du marché du lait de chèvre. La collecte nationale poursuit son évolution en deçà de son niveau de 2023. À 54,3 millions de litres de lait en avril, elle est en retrait de 2% par rapport à 2023. En cumul sur les 4 premiers mois de l'année, la collecte de lait de chèvre s'élève ainsi à 162,3 millions de litres. Les conditions climatiques, la qualité des fourrages et les difficultés pour apporter du vert expliquent ce recul. Depuis le début de l'année, les dynamiques sont cependant très différentes d'une région à l'autre. En cumul sur 4 mois, la collecte a augmenté de 4% en Pays de la Loire, tandis qu'elle est en retrait dans les autres régions, moins 3% en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, moins 4% en Centre-Val de Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes. Des importations permettant d'ajuster les approvisionnements des transformateurs, ceux-ci sont stables en avril à 58,3 millions de litres. Sur les 4 premiers mois de l'année, les approvisionnements sont en recul de 2% par rapport à 2023 à 179 millions de litres. Les stocks de produits de report caprin s'élèveraient à 5200 tonnes en avril selon l'enquête France Agrimaire, soit plus 10% par rapport à mars 2023. En avril toujours, les fabrications de fromage de chèvre ont augmenté de 7% par rapport à 2023 à 8400 tonnes. Et en cumul de janvier à avril, elles atteignent 32 400 tonnes, soit plus 3% par rapport à 2023. Côté vente de fromage de chèvre au rayon libre-service des grandes surfaces, elles sont stables sur un an et en hausse de près de 2% sur les trois premières périodes de 2024, c'est-à-dire jusqu'au 24 mars à peu près. Dans les faits, les marques de distributeurs sont moteurs et en hausse de 6% sur un an et près de 9% depuis le début de l'année. Tandis que les marques nationales, elles, sont plus à la peine et en recul de 4% sur un an et de 3% entre janvier et mars. Pour conclure cette vidéo, petit tour européen du prix du lait de chèvre. À 946 euros les 1000 litres au premier trimestre 2024, le prix moyen payé aux producteurs français de lait de chèvre a enregistré une hausse de 21 euros les 1000 litres par rapport au premier trimestre 2023 et 135 euros les 1000 litres par rapport à 2022. Cette hausse du prix payé découle de la revalorisation du prix de base du lait de chèvre et de taux plus élevés en janvier. Chez nos voisins espagnols et néerlandais, en revanche, le prix payé est en recul par rapport à 2023. Moins 9% en avril en Espagne à 898 euros les 1000 litres et moins 7% aux Pays-Bas à 748 euros les 1000 litres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tendance avec un S-lait-viande.fr.